Le port de Montréal est de loin le préféré des exportateurs d'autos volés au Canada. L'an passé, 1050 véhicules volés y ont été saisis, juste avant qu'ils ne soient chargés sur des navires à destination de l'Afrique de l'Ouest, du Moyen-Orient et de l'Europe. Ils vont dire aux douanes que c'est n'importe quoi sauf des autos. Selon cet ancien exportateur de véhicules volés qui a demandé à ce qu'on protège son identité, cela ne représente qu'une fraction des autos volés qui transitent par le port de Montréal. Un minimum 200 containers de chars volés par mois qui sortent du port de Montréal. À deux autos par container, ça fait 400 autos. Il dit que les exportateurs profitent des failles aux douanes lorsque vient le temps d'enregistrer les conteneurs d'autos volés. Tu falsifies tes papiers d'enregistrement, t'envoies une demande d'exportation aux douanes parce que t'es obligé, t'inventes un numéro d'autorisation. Personne vérifie. Il y a trop de joueurs. Compagnie maritime, les douanes, le client, le port, personne communique entre eux. Daniel Dagenais était vice-président du port de Montréal au moment de nous accorder cette entrevue. Quand on vous dit que le port de Montréal est une passoire, comment vous réagissez à ça? Bien, j'ai de la difficulté avec l'idée qu'on est une passoire. Je pense que la réalité, c'est que les marchandises convergent à travers nos installations. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur des conteneurs, on a une information a posteriori, mais le contrôle de la marchandise à l'exportation, il est essentiellement lié avec les douanes. C'est avec les douanes qu'on peut régler cet enjeu-là. Selon le président national du Syndicat des douanes et de l'immigration, il n'y a que 5 agents affectés aux exportations du port de Montréal. Il y a eu 580 000 conteneurs exportés seulement l'an dernier. Au port de Montréal, on peut dire que les exportations ne sont pas une priorité pour l'agence. Les voitures volées sont le plus bas des priorités des exportations. Les intervenants que nous avons consultés disent tous, sans exception, qu'il y a des failles aux douanes, ce qui expliquerait le nombre impressionnant de véhicules volés qui sont exportés par le port de Montréal. De son côté, l'Agence des services frontaliers a refusé de nous accorder une entrevue. Denis Thériault, TVA Nouvelles, Montréal.